violence dans les jeux vidéo modernes est souvent critiquée. Mais le phénomène est pourtant loin d'être récent. C'est ainsi qu'en 1990 sortait The Immortal, un jeu d'aventure entré dans la légende pour ses morts pour le moins graphiques. Mais en dehors de l'aspect gore, The Immortal était aussi un titre très intéressant que l'on se devait de présenter dans Retro & Magic. The Immortal est une création du designer et programmeur Will Harvey, plus connu pour avoir créé le Music Construction 7 sur Apple II. Il s'agissait du tout premier logiciel de composition musicale de l'histoire. The Immortal dénote la passion d'Harvey pour la 3D isométrique et les livres dont vous êtes le héros. Le jeu est tout d'abord sorti sur Apple II GS avant d'être porté sur plusieurs ordinateurs et consoles. Les images de cette émission sont tirées de la version Mega Drive. Le principe du jeu est simple. Le joueur se glisse dans la peau d'un apprenti sorcier parti à la recherche de son maître, Mordamir, un puissant sorcier porté disparu. Il semble que Mordamir se soit aventuré dans le donjon de la mort et n'en soit jamais ressorti. Le fait que son apprenti pénètre à son tour d'un pas alerte et optimiste pourrait lui valoir un Darwin Award. Le jeu commence alors que le joueur découvre un message laissé par Mordamir le remerciant d'être venu le sauver. Mordamir explique être captif au fin fond du donjon. Dans ce message, il s'adresse au joueur par le nom d'Unric. Mais c'est là que le protagoniste commence à se dire que quelque chose cloche. En effet, il ne s'appelle pas d'Unric et ne connaît personne de ce nom. De toute évidence, Mordamir lui a caché des choses. L'histoire de The Immortal, bien que simple, se révèle efficace. Petit à petit, le joueur commence à rassembler les pièces du puzzle. Lorsqu'il se repose pour régénérer sa santé, il commence à faire d'étranges rêves lui révélant le passé du donjon et le lourd secret qu'il abrite. Le jeu peut se targuer de proposer un authentique twist scénaristique plutôt bien vu. Au niveau du gameplay, The Immortal peut se résumer en deux mots, essai et erreur. Chaque pièce du donjon abrite son lot de pièges mortels. Vers géants qui jaillissent du sol, flaques d'acide mouvantes, feux follets, trappes, ombres mortelles, dalles piégées déclenchant des tirs de fléchettes ou de boules de feu, les manières de mourir sont très variées. Le jeu consiste à mourir pour découvrir où sont les pièges, mourir pour découvrir comment les éviter, mourir pour comprendre comment passer au niveau suivant, apprendre tout ça par cœur et recommencer. Le fait qu'un jeu où l'on meurt autant s'appelle The Immortal est en soi une ironie délicieuse. En dehors des dangers du donjon lui-même, le joueur devra également faire face à divers ennemis, notamment les trolls et les gobelins. Les deux races sont en guerre pour le contrôle du donjon, et si le joueur le désire, il pourra tenter de s'allier avec l'une d'entre elles. Ce n'est absolument pas nécessaire pour finir le jeu, mais cela vient enrichir l'ambiance très travaillée de The Immortal. Si le joueur se retrouve attaqué par les monstres, il devra balancer son épée à grands coups de joystick. Les mises à mort des ennemis sont souvent spectaculaires et étonnamment gore pour l'époque. Outre ces monstres plus ou moins belliqueux, le joueur croisera quelques personnages amicaux, comme le fameux Donric et sa fille Anna, eux aussi prisonniers du donjon, ainsi qu'un marchand inspirant à peu près autant confiance que celui de Resident Evil 4. A noter que si la version Mega Drive est très fidèle à l'original sur ordinateur, la version NES a quant à elle été amputée de plusieurs passages, notamment un niveau rempli d'araignées géantes, jugé un peu trop effrayant pour les jeunes joueurs. The Immortal est un titre difficile. La philosophie sous-jacente à son design préfigure des titres modernes comme Dark Souls. Bien qu'extrêmement frustrant par bien des aspects, The Immortal a quand même un charme certain grâce à la qualité de ses animations, son histoire soignée et son atmosphère sombre et oppressante.